Link start. Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on se retrouve à nouveau pour continuer notre aventure, notre let's play sur Sword Art Online Alicization Licorice. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, eh bien nous avions tout simplement continué notre aventure, fait une petite visite du village, affronté un dindon et aussi eh bien découvert l'épée à la rose bleue, ou encore eh bien parler tout simplement à Selka de la disparition d'Alice, qui d'ailleurs maintenant Selka a tout simplement disparu. Et donc là nous allons tout simplement voir qui est EGO, voilà, pas Kirito, EGO. Nous allons le voir pour savoir eh bien où elle pourrait se trouver. Même si vous et moi, nous savons très bien où elle est, malheureusement. ユージは、キリト、どうしたんだい？実は、そんな、セルカがいなくなったって。ユージは、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？行きそうなって言われても、俺、セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。 だから、アリスとの思い出の場所かもしれないと思って。あ、ユージを、アリスが聖豪騎士に連れて行かれた理由を、なぜセルカに教えなかったのか。そういえば、昔聞かれたことがあったね。なぜ？どうして言わなかったのかな。はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、 不安だったのかもしれないね。セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。あば、それだ。え？俺、セルカに教えちゃったんだ。アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、 今すぐ追いかけても間に合うかどうか。もしかしたらもう洞窟についているかもしれない。ああ、いや、je voulais tirer tôt sur ce coup, t'as pas géré。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら、その場ですぐ聖豪騎士に捕まってしまうのか。いや、聖豪騎士は多分翌日にやってくると思う。6年前はそうだった。そうか。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。 何を考えてるのさ。単純な話だ。今日中にセルカを連れて村から出れば、聖豪騎士から逃げ延びることができるかもしれない。そんなことできるわけないよ。天職だってあるし。まあ、別にユージオに一緒に来てくれとは言ってないぜ。俺がセルカを連れて逃げるよ。俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。 その責任は取る。ダメだよ。無理だよ、キリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても、君と一緒に行くはずがない。それにそもそも、セルカが闇の国に足を踏み入れるなんて重大な禁忌を犯すなんてありえないことだ。でもアリスにはできた。アリスは、 c'est qui ce mec qui vient et qui casse absolument toute la scène épique et triste là? ouais。彼女は村の誰とも違っていた。僕とも、もちろんセルカとも。ともかく今はセルカの元へ急ごう、キリト。なあ、とはいえ、最近は獣の動きがおかしいんだろう。 Bah ouais, parce que... Une fois de plus, là ils disent qu'il faut vite y aller, mais ils parlent quoi. Donc il faut vite y aller ou... Oui voilà, récupère les armes et on fonce quoi, on va vite la sauver avant qu'elle traverse la... Donc là, jumeaux sont sur la route de la grotte serpentrionale. Ok, on va se dépêcher de trouver Selka. Oh, la fusion. Oui, la fusion. Vous pouvez contrôler un autre personnage. Appuyez sur L2 pour changer de personnage lorsque plusieurs personnages sont présents. Ça vous permet d'étudier des tactiques avancées en combat, d'affronter plusieurs ennemis ou de contrôler un personnage mieux adapté à ce combat.
Si le personnage actif est incapable de se battre, le prochain personnage disponible devient automatiquement actif. Très très sympa. Très très sympa. Oh, vous pouvez vérifier la statique du personnage, changer d'armure, des armes. Attaque, défense. Ok, super intéressant. Là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, là. Ok. Donc là, on voit bien, voilà. Arme, tenue. Au niveau de la tenue, est-ce qu'on a quelque chose ou non? On a l'épée en fer. Ok, normal. La tenue. Ok. Et là, on n'a pas d'accessoires en plus. Ok. Et donc, si j'appuie sur L2... Oh oui, je suis le Géo. Ça c'est sympa. Ah c'est vraiment cool. Et on pourra faire ça vraiment avec tous les personnages faisables autour de nous quoi. Ah c'est vraiment sympa les gens. C'est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. Alors, on va juste parler à lui pour avoir un peu de renommée là-haut, je sais pas quoi. Salut, bonjour. Non. Ok, Ok, bon bah il veut pas parler, tant pis. Allez, fuck, on fonce. Faut vite aller sauver Shelka avant qu'elle ne franchisse par mégarde, eh bien, la limite, la frontière. Et oui, comme vous pouvez le voir, là on monte, hein, on monte la fameuse rivière là, comme dans l'anime quoi. Putain, il y a encore des forteresses, il y a encore des structures là, des forteresses bizarres. Alors là, on va faire attention, on peut se faire attaquer à tout moment, hein. Par un dindon. Ça je peux vous dire, ça sent le dindon là, ça pue le dindon là. Montagne de l'Oden. Ah ça y est, on est au fameux lac jumeau. Voilà, on est arrivé au lac jumeau. La petite sauvegarde et donc le petit épée. Oh, d'accord. Excuse-moi le Géo, j'ai failli te foutre un coup alors que je voulais appuyer sur... Vas-y, range. Range l'épée, voilà. Ok. Donc, rond. Voilà, merci, déplacement et la petite sauvegarde. Voilà, ok, allez. On va sortir l'épée au cas où parce que, comme je vous l'ai dit, ça pue le dindon. Yujo. Il y a les traces de pas. Sodane. Quelqu'un doit être passé par là, vite. Ah oui, Selka est passé par là, ah oui. Alors, là, il y a des lézards. Est-ce que ça rapporte quelque chose hein? Non. Ça rapporte pas des niveaux, ça rapporte... Non, rien, ok. Bon, on va quand même les buter au cas où. C'est jamais. Allez, on fonce. Oh, petite cascade là. Très sympa. Je regarde s'il n'y a pas des plantes et tout. Là, là, il y a des plantes. Ah non. Là, on peut grimper. Ah, sympa. On va grimper alors. Vas-y Eugéo, suis-moi. C'est bon, il me suit. Sympa, ah là là. Ah c'est quand même... Quoi qu'on dise, c'est quand même un mini open world. C'est pas totalement open world, mais ça reste un mini open world. Regardez là-bas, on voit Giga Cedar et tout là. C'est vraiment très sympa. Alors là par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Un méchant message est inscrit sur le socle de la statue. Ouais, et c'est quoi alors? D'accord, et donc pour l'instant, bah, on peut rien y faire hein. Apparemment non, ok. Bon bah tant pis. Ok. Je regarde un peu encore les gens, comment ça se passe et tout. Donc ça c'est, ok, pour les techniques, c'est la verticale et socio-personique, ok. Parce que là je sens qu'il y a des combats, hein. Donc, oh. Est-ce que c'est méchant ça? Je sais pas, mais dans le doute... Elle est pas morte là? Non, elle est pas morte! Putain, elle est pas morte! Oh mon dieu! Un champignon! Mais c'est quoi ce bordel? Mais what? Mais. On s'est fait attaquer. Mais. Meurs! Putain! Enfoiré! Putain, on se fait attaquer par des champignons quoi! What the fuck. Alors ça, si j'avais su que dans l'Underworld on pouvait se faire attaquer par des champignons quoi. Putain mais regarde, mais il y en a partout là, des fourmis et tout. Bon, ils ont pas l'air
agressif quoi, donc on va les laisser vivre au KLM. Putain, regardez, il y a tellement d'endroits bizarres là. Je sais pas si c'est vraiment comme ça autour du village de Rulid, mais putain, il y a des ruines partout quoi. Allez. Alors là, je reconnais les lieux là. Par rapport à l'anime, par rapport au manga, je reconnais clairement les lieux là. Hein. Oh, il y a un feu de camp ici. Est-ce que des personnes seraient passées là dernièrement? Bizarre. Hein. Bizarre, bizarre. Et bien sûr, la petite sauvegarde ici. Et le petit épée qui fait plaisir. Hein. Et comme d'habitude, ben, on sauvegarde vite fait. Hein, parce que bon, on n'est jamais trop sûr. Hein. Nickel, on est arrivé. Non. Voici la grotte serpentrionale. Et le Dark Territory est de l'autre côté. Cette canne n'est pas là. Si on la trouve vite, on peut rentrer au village avant la nuit. La vie, elle est déjà rentrée dedans. Aïe aïe aïe. Et ça y est, regardez, le curseur bleu. Maintenant on est à la grotte serpentrionale. On n'est plus à la montagne de l'Oden. Et donc c'est parti les gens. Dans cette vidéo, on va tout simplement... Voilà. La mini-carte est inutilisable, quoi? Alors appuyez sur pour afficher la mini-carte. La mini-carte affiche à votre vision actuelle les zones de quête. Ok. Ok les gens, alors là... Là c'est un tout autre délire. Là on commence à rentrer dans une partie du jeu qui... Voilà, c'est plus du dialogue, c'est plus du... Non. Là on est dans la fameuse grotte, les gens. La fameuse grotte qui mène directement à la Dark Territory. Et où se trouve, eh bien, Selka tout au bout. Donc là, je vous avoue que... Oh. Alors là-bas, il y a un ennemi, je crois. Il y a un petit truc blanc qui bouge, là. On va dégainer l'épée. Oh oui, il y a des chauves-souris. Des chauves-souris grimpantes. Infliger péril. Attaquer les ennemis remplis la joueuse de péril. Les attaques normales le remplissent petit à petit, mais une connexion des compétences en un. Ok. Ok. En tout cas, oui. Ce que je sais, c'est que ces trucs sont méchants. Voilà. Toi, tu meurs. Putain. Allez. Chauve-souris de merde. Laissez-nous passer. Putain, elle est résistante. Ah, allez, meurs. Meurs. C'est bon. On l'a eu. Il y en a encore une là. Voilà. Parfait. EGO, tu vois. Enfin, EGO, putain. Pourquoi je me trompe à chaque fois, quoi? Kirito, tu vois que... Il gère toujours aussi bien le combat d'épée, quoi. Bien sûr, on va tout ramasser, hein, les minerais de fer et tout. Ça peut toujours être utile. Pour améliorer peut-être nos armes et tout, je sais pas. Alors que là, apparemment, il y a une nouvelle vie, une nouvelle chauve-souris. Attaque! Alors là-bas, il y a une chauve-souris level 3. On va se la faire. Voilà, avec un saut supersonique. Et voilà, Kirito est passé level 5. Nice, on est passé level 5 avec EGO. Vas-y, attaque. Attaque, comme je dis ça, on dirait un chien. Attaque, vas-y. Non mais, Kirito, derrière. Voilà. Ah, calme-toi, c'est bon. Y'a plus personne, c'est bon. Ok. Grimpez au vin pour... vous enfoncer dans la grotte. Oui, ça du coup j'avais vu avant que on peut monter aux vignes. Mais avant ça, je vais récupérer d'abord le minerai de fer qui est ici. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, si déjà on récupère tout. Voilà, c'est parti. Merde, mauvaise touche. Vas-y, range ton épée et calme-toi. Allez, grimpe. Putain, dire que quand ils étaient enfants, ils ont dû monter ici et tout. Hein. Ah putain. Ils ont dû faire un sacré parcours quand même, hein, parce que là, monter aux vignes comme ça... Ok, nickel. Putain, il y a encore des chauves-souris là-devant. Mais bon. On va voir si les chauves-souris, elles attaquent vraiment. Ouais.
Les touches, il va falloir que je m'y fasse, ça. Sinon, ça va pas le faire. C'est à chaque fois que je sors mon épée, là. Attendez, je suis pas sûr que les chauves-souris nous attaquent. Elles ont pas l'air de nous attaquer. Bizarrement. Bon, bah, écoute, on va laisser passer, hein. Si elles nous attaquent pas, hein. Tu peux compter toujours sur moi. Ok, bah, t'inquiète pas. Alors là, par contre, il y a des champis. Des champi-lampes. Ah! Ah bah lui nous a vu. Et il y a sa barre d'interrogation qui a augmenté. Wow, 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 calme-toi. Ah, tu vas vite calmer ta joie, mon vieux, je te jure. Toi aussi, tu vas vite crever. Voilà. Salaud, champignon de mort. Putain, il y en a partout. C'est un truc de fou, ça. Ok. Là, on va ranger. Merde. Putain, mais elle est énorme cette chauve-souris! Chauve-souris fantôme, level 8, elle est énorme. Et comme dit, vous voyez, plus le point d'exclamation il monte, plus il nous repère en fait. Et quand il est monté à fond, ben là il nous attaque. Ok. Alors apparemment c'est par là. Putain, sacré dédale quand même. Hein. Là on est en train de s'enfoncer là. Alors apparemment il y avait un coffre là-bas à gauche, ou en tout cas il y a une image d'un coffre, mais. Mais bon. Ah oh, par contre, non mais putain, je me trompe encore de touche, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut, la chauve-souris, là? Qu'est-ce que tu veux, là? D'où tu me regardes mal? Allez, meurs, voilà. Alors, vas-y, on continue. Mais oui, du coup, Géo, il a pas son petit blé, là, qu'il a en main, là, pour faire de la lumière, là. Allez, on va redescendre, du coup. Putain, sacrée grotte, en tout cas, hein. Je sais vraiment pas si les autres jeux SAO étaient comme ça et tout. Hein, ça c'est quand même dommage, c'est que je suis pas comparé en fait, vu que j'ai jamais joué à d'autres jeux. Mais en tout cas celui-là est vraiment cool là, à ce niveau-là quoi. Alors que là, ça y est les gens, ça commence à devenir gelé par ici. Allez, on va se faire les chauves-souris. Allez, allez, allez. Voilà, toi tu crèves. Toi aussi, tu meurs. What? Super art? What? Je sais pas ce que je peux faire. Ok. Apparemment, pour l'instant, je ne peux rien faire dans l'interface que j'ai ouvert il y a 2 secondes. Ok. Alors, on va quand même tuer la dernière. Là, on est monté level 6. Voilà, si on peut un peu monter le level, on va pas gêner, hein. Si après ça nous permet de plus facilement gérer les futurs combats. Oh, ça y est, une sauvegarde. Voyager entre les zones avec l'icône changer de zone. Ok. Là je pense clairement les gens que ça fight, mais pas de simple chauve-souris. Si vous voyez ce que je veux dire. Là je pense qu'on va. On va s'attaquer un peu à le level au-dessus, quoi. Ah ouais, ça y est. On y est. Waouh, oh là, il y a le dragon et tout qui est mort là. Pouah. Attention les gens, là je pense que ça va être épique. それに生臭い獣臭さみたいな。セルカ、まずい。おい見ろや。今日はどうなってんだ。また白い馬のガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男のユムなんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしね。面倒だ。そいつらはここで殺して肉にしよう。ユージは。いいか。セルカを助けるぞ。動けんな。分かった。うらあ。ユムのガキめらが。この俺様と戦う気か。
Oh yeah. Alors là, il n'y avait pas eu de discrétion rien du tout, ils nous ont direct grillé. Hein. Ah. Alors on pouvait changer de personnage pour contrôler en appuyant sur L2 pour ce combat essayer de passer à EGO. Attirer l'attention du menu frétin afin que Kirito puisse se mesurer à... Ah oui. Ok. Certains ennemis possèdent des membres que vous pouvez neutraliser en leur infligeant suffisamment de dégâts. Ah ouais. Ah ouais, ok, on va pouvoir couper des membres, mais version soft, quoi. Ok. Allez. D'accord. Appuyez sur triangle, et au moins ça active des arts sacrés. Ok. Ça marche. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez. Bon, bah du coup, comme dit, je vais utiliser EGO. Au moins Kirito il gère le gros quoi. Enfin du moins c'est ce qu'il est censé faire hein. Après Ah ouais, EGO il a aucune technique à l'épée. Ce qui est un peu normal tu me diras. Allez. Voilà, hey, je les défonce hein. Hey. Ah si si. Non non, EGO il a aucune technique ouais. J'allais dire s'il a une technique mais non il n'y a pas de technique. Ok, bah il reste plus que le gros. Allez, c'est parti. Vas-y. On l'attaque à deux. Casse-toi, connard. Laisse le géo tranquille, c'est moi ton adversaire. Vertical, arc. Allez. Il est où? Il est où? Oh là là, ça part en tous les sens. J'avoue que je spam comme un porc. Romper. Ah oui. Oh. Et fatal. Ah d'accord. D'accord, alors attendez. Là je lui fais plus rien malheureusement. Apparemment j'ai accès aux arts là. Super art hein. Bon, je suis en totale découverte les gens hein. Ah, vraiment les fights c'est un peu comme pour le let's play sur AOT hein. C'est vraiment au début je gérais pas du tout mais après ça vient au fur et à mesure des combats hein, clairement Aïe. Allez. Wow. Oh putain là j'ai pris sacrément cher là. Allez meurs. Il y a des salauds qui seront mieux. Voilà, toi tu meurs. Allez, on va repasser sur Kirito. Voilà, le petit saut supersonique. Vertical arc, allez. Non, non, mais laisse le géo tranquille, là, je l'ai déjà dit. Wouah. Ok, ok, j'ai compris. Alors là, faut l'achever là. Là, faut l'achever là. Vas-y, vas-y, le jeu, vas-y. Vas-y. Ok, je comprends un peu mieux le délire, les gens. Hein, c'est encore un peu flou, je vous avoue. C'est encore un peu flou, mais je comprends mieux le délire. Voilà, donc là, les arts sacrés, ça me booste en gros. Voilà, et là je vais le défoncer là. Alors là les gens, regardez. Regardez, admirez-moi ça là. Bam, bam, bam. Et là, pouah, je t'éclate. Et là je l'enchaîne avec un petit vertical arc supersonique. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique. Là, la façon de mettre un coup fatal là, l'exploser au sol, c'est jouissif. Franchement, c'est jouissif. Bon. Je spam encore un peu toutes les touches, je veux pas vous mentir, mais bon, hein, c'est le temps que ça vienne comme dit. Je pense qu'au bout d'un moment, les combats seront assez durs pour que le spam, on va dire, ne soit pas la meilleure des techniques, quoi. Quoi, c'est la nouvelle qui a un nom. T'as un monstre, ça. Non, il n'y a pas.
この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ、ユージョ。やめろ、ユージョ。La censure ? Non, pourquoi tant de censure ? Kodomo no koro, yakusoku shitaro. Boku to Kirito to Arisu wa umareta hi mo shinu hi mo issho. Kondo koso.守るんだ僕が。この記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白い有無が調子に乗んじゃねえ。ユムのガキごときに俺様が負けるわけが。違う、俺の名前はユムじゃない。俺はケンシキリトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでない奴は今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリト、キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ、頼む。無理よ、こんな傷、私の神聖術じゃ無理。ユージオ、嘘よね、私のせいで。ユージオ、泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろ。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な高位神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。頑張れユージオ。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？
問題ない。もっともっとユージを似合ってくれ。もうダメ。これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージを待ってるわ。いつまでもセントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。Waouh, waouh. Alors bon, déjà, rip, hein, la censure, clairement la censure qui est présente. Bon, ça va, on a quand même le droit à une petite flaque de sang, hein, pour Egeo. Mais sinon, hein, que ce soit l'orc là, le goblin, Kirito, il lui prend même pas la tête devant les autres pour les faire fuir et tout, rien du tout. Egeo qui lui n'a même pas une petite coupure quoi sur le ventre. Mais bon, voilà. Et là aussi, là, la scène en 2D de Alice qui va dans le dos de Kirito. C'est assez sympa, parce qu'on voit vraiment bien Alice, quoi. Là où, comme dit dans l'anime et tout, c'est vraiment, vraiment, c'est un esprit, quoi, limite. C'est vraiment une Alice faite de lumière, quoi. Et bien là, on a vraiment vu Alice avec un vrai corps, quoi, on va dire. Vraiment, le vrai visage de la Alice et tout, les vrais cheveux et tout. C'était beaucoup plus humain, quoi. Et donc, bah, c'était assez étonnant et ça m'a... Même si c'était en 2D, ça m'a agréablement surpris quoi, de voir vraiment Alice comme ça quoi. Comment est-ce que tu as fait? Tu as fait un peu de mal? Oui, si tu as fait un jour, tu as fait un peu de mal. C'est grâce à Kirito. Tu as fait un peu de mal et tu as fait un peu de mal. Tu as fait un peu de mal. Tu n'as pas 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 fait. うん、二人には感謝しないとね。どうかしたのかい、キリト。おお、on peut faire des choix。ça j'aime bien。ça dans les jeux、j'aime vraiment。dans la grotte、tu as dit quoi ? tu as entendu une voix dans la grotte ? je repense à la grotte。ah、les deux là ils sont bien là。à gauche et à droite、c'est deux réponses qui sont bien quoi。On va commencer par elle de gauche parce que c'est ce qu'il lui demande en premier, il me semble. すごくはっきりそう思えたんだ。僕とキリトとアリスはこの村で生まれて一緒に育って、アリスが連れて行かれたあの日も一緒にいたような。そうか。あ、bah c'est parfait。 on peut faire plusieurs choix。 bah parfait。 セルカがお前に神聖術を使った時、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい？non rien。je repense à la grotte。もう affaire、je repense à la grotte。極限状態における記憶の混乱、そう説明することができるだろう。しかし問題は、あの場で俺にも同じような記憶の混乱が発生したということだ。たとえそれらが俺とユージオに同時に起きた同種の原始だとしても、やはり最後の あの場に現れた4人目の存在、そしてその誰かが言った言葉。petit flashback。キリト、あの、ユージオ、
セントラルカセドラルのてっぺんで待っていると。俺はセントラルカセドラルなんて言葉を初めて聞いた。つまりあの現象だけは幻なんかでは。OK, parfait. Donc, bah, on est obligé de le mytho, hein. Merde, putain. Je sais jamais quand il finit de parler ou non, putain. Bah oui, forcément, ils ont combattu.それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた。セルカも妙に神聖術が成功すると言っていたし、俺たち全員がレベルアップしたということなんだろう。きっと今なら。Vish! Vish! Prends-moi cette épée à la rose bleue!Et défonce-moi ce giga Sedar. Oui, Kirito, monter le kai, son kengo. Ah, caruque natta no wa, ryukotsu no ono dake janai rashii ze. Magnifique. Yahari, kono sekai ni wa soudo skill ga sonzai suru. Ryu koso wakaranai ga.Ah ouais, t'en as utilisé pas mal, hein, contre le dindon ou encore contre des gobelins. Kirito, imano wa, moshikoshite, kenjutsu kai? Ah, tabun, sou da to omoi. Mai ni kemono taiji o shita toki mo, Kirito, kimi wa ken o nannaku atsukaete ita. Moshikashitara.記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英士、いや大きな町の衛兵だったのかもしれないね。あは、正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。少し羨ましいよ。T'inquiète, tu es aussi talentueux. ユージは、キリト、君の剣術の流派は何？その名前も思い出せないかい？いや。覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。ああ、magnifique! Le style アインクラッド、toujours aussi difficile quand il dit ça。アインクラッド流。不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か。それとも暮らしていた町の名前なのかもね。キリト。その僕に君のアインクラッド流剣術を教えてくれないか。C'est vraiment bien parce qu'on vit cette scène là maintenant dans le jeu alors qu'on l'a vécu il y a quelques jours dans le lison quoi, dans le manga quoi. Donc c'est vraiment cool de voir la comparaison quoi. もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから何かの規則に違反するかもしれないけど。C'est mal d'apprendre l'escrime. Tu peux le faire, Géo. Réfléchir à la table des interdits. Soka, yappari soda. Kono sekai no ningen, tsumari kono sekai o tsukutta hito tachi ga taeryou ni umidashita iwaba jinkou fractoraido tachi. Karera wa genjitsu sekai no ningen tachi to chigai, mizukara no ishiki ni kakikomareta joi kisoku ni wa zettai ni sakaraenai da.最高支配者である氷協会が発布した禁忌目録、その下部で具体的な統治を行うノーランガルス帝国の帝国基本法、そしてルーリットに伝わる村の掟も。だからユージオはアリスを探したいという渇望を殺し、巨人の大杉に向かいひたすら斧を振るってきた。だが今彼は初めて運命を自分の意志で切り開こうとしている。衛兵じゃない人間は剣術の修行をしちゃダメだなんていう項目が禁忌目録にあるのか。そういう項目はないけど、でも複数の天職を同時に兼務することは禁じられている。だから
僕が剣の修行をしたら自分の天職をおろそかにすることになるのかもしれない。 Je vois. Mais tu peux le faire, Géo. 頑張れ、ユージオ。諦めるな。自分を縛る者に負けるな。でも僕は強くなりたいんだ。もう二度と同じ間違いを繰り返さないために、なくしたものを取り戻すために。キリト、僕に剣を教えてくれ。わかった、教えるよ、俺の知る限りの技を。でも修行は辛いぞ。望むところだよ。本当にそれが僕のずっとずっと望み続けてきたものなんだ。今分かったよ。僕はずっと君を待っていたんだ、キリト。ああ、cette phrase est tellement belle. J'en suis sûr. C'est toi que j'attendais. 君がやってきてくれるのをずっと待ってた。ああ、magnifique. 俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ。Et ça aussi, quoi. Je suis sûr que si je me suis réveillé ici, c'était pour te rencontrer. Eugéo. C'est vraiment. Ah, c'est la best amitié, la best team. C'est magnifique. Et là, est-ce qu'il va tomber à force ? Oui ! Ça y est, il tombe dans cet épisode, les gens. Ah! Waouh! Magnifique! Bon, bien sûr, par pur souci d'argent, un écran noir aura suffi à le faire tomber. Waouh! Ce monstre! Et voilà, c'est magnifique. Alors dès qu'on est libéré, on va dire, et qu'on peut bouger et tout, on s'arrêtera là, les gens, pour cet épisode. Mais en tout cas, là, c'est un gros épisode, hein. Entre le sauvetage là de Selka et tout, et donc le combat face au Goblin dans la grotte de glace. Et là, maintenant, la chute, clairement, du Giga Cedar, après que Eugéo ait demandé à Kirito, eh bien, qu'il lui apprenne tout simplement à manier l'épée. C'est un bel épisode là qu'on est en train de faire. Hein. Clairement là, on est quoi? On est au troisième du coup, et ah ouais, ça avance plutôt bien mine de rien. Mais bon, là où ça va être vraiment encore intéressant, c'est quand on va vraiment parcourir toutes ces zones là, la forêt rivalière, la montagne de Soutenelle là, qu'on va parcourir tout ça pour atteindre la cathédrale et donc Santoria. Pendant ces 2 ans quoi, je pense que c'est là surtout qu'il y aura beaucoup de découvertes. Enfin bon. On va bien voir quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je kiffe toujours autant. Selka, Yuzio a choisi lui-même. Il a suivi les règles du village, et il a défait le Gigas Cedar. 自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。あ、ah, la pauvre Selka qui forcément est très déçue, très triste surtout. 寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか。
もちろん先に行っているよ。悪いな。Le bisou, le bisou. Le bisou, le bisou. それで一言謝りたくてさ。ごめんな、セルカ。俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ。それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。Ah, c'est triste quand même, hein, ce départ, hein, vraiment. Bon, tu me diras, on pourrait retourner quand on veut, mais voilà, c'est triste. Moi, je suis pas en train de faire ça. 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 Je suis pas en train de私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか。君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとう、キリト。Mais pas de souci, pas de souci, c'est le cas. Bon, il est temps. Allez, s'il vous plaît. じゃあ、俺も行くよ。ユージを見失ったら、ザッカリアまで俺一人じゃ行けないからな。S'il vous plaît, faites-le. うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。Il va le faire. Dites-moi qu'il va le faire, s'il vous plaît. Non. Putain. Mais non. Mais non. Mais non.Mais non! Mais! Oh! Pourquoi? Il n'y a pas l'humidité dans l'air. On devrait avancer tant qu'on peut. Ah, il y a l'humidité dans l'air. Oui, oui, parce que justement, c'est vrai qu'il va se mettre à pleuvoir quand ils vont partir. Ah. Tu as raison, continuons. Espoir, départ, chapitre 1.Deuxième partie, purée, on est à peine à la deuxième partie chapitre 1. Allez à Zakaria avec Eugéo. Recevez une quête de service en route pour Zakaria. Terminez des quêtes pour gagner de l'expérience. Ah ok, donc ces statues là qu'on voit justement, c'est des quêtes en fait. C'est nager, quand vous nagez votre jauge d'endurance vide. Ok, on peut nager et tout, bah nickel. Voilà les coins de pêche, on avait vu ça.Ok, nickel. Par contre, je suis très triste, hein. Je vais pas vous cacher que je suis très triste pour le bisou, hein. Clairement, le bisou de Kirito sur le front de Selka, pour moi, c'est une scène qui, on va dire, est toute bête, mais qui en même temps est tellement symbolique, je dirais, du manga, du jeu mobile et du light novel, quoi. Et donc, on n'a pas vu dans l'animé, et donc je pensais clairement qu'ils allaient le mettre là dans le jeu vidéo, mais non.Ils l'ont pas mis. Bon, c'est bien triste parce que je voulais vraiment voir cette scène, mais bon, c'est pas grave, écoutez les gens. En tout cas, bon, on va cesser là parce que, mine de rien, elle aura quand même bien duré cette vidéo. Il y aura eu pas mal de choses. Ça y est, on quitte enfin le village de Ruinid, même si apparemment il y a des nouvelles choses qui sont débloquées. Donc, j'irai sûrement voir ça dans la prochaine vidéo et tout, on verra. Mais en tout cas, voilà. Là, cette fois-ci, on va vraiment partir à l'aventure et découvrir ce qu'on n'a pas découvert dans l'anime. Ça veut dire tout simplement
la route de Kirito et Eugeo, eh bien, jusqu'à la cathédrale centrale et donc jusqu'à la capitale Centauria. Allez les gens, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu comme d'habitude. Et moi sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée, très bonne soirée, ciao.